Et re-salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 de notre cher Far Cry Primal. Et on vient d'améliorer donc la maison de Syla. Et du coup on va quand même améliorer notre grotte, vu que quand même c'est le plus important. Donc il nous faut de l'ardoise et de la chèvre. Donc l'ardoise c'est simple, on en a tout autour de nous. C'est plus pour la chèvre qui me préoccupe. Alors il y en a des chèvres ici, difficulté de chasse facile, ouais normalement... trouve assez rapidement de la chèvre. Et on va directement partir à la chasse à la chèvre, mes amis. C'est rare qu'on chasse la chèvre. Enfin, en France surtout. On élève plus des chèvres qu'on les chasse. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. Et partons directement dans cette forêt si dangereuse. Donc il nous faut quand même du bois. On va quand même essayer de trouver du bois au fil de notre chasse. Bon, déjà... il y a ce qui me semble être une grotte, non? Ouais, il s'agit d'une grotte. Le petit tigre vient de se réveiller. Et autour de nous, il y a du roseau. Et des bêtes. Très belles bêtes. Et c'est des chèvres, non? Ah, je les laisserai pas passer. Comment ça, elle fuit? Elle fuit quoi là? Ouais. Alors là, j'ai pas compris. Elles m'ont fui, les chefs sans crier garde. Bon, bon, je récupère du bois tranquille. Hein. Je vous dérange pas trop, hein. Ouais, en plus là, j'ai trouvé ce que je voulais. Oula, j'ai l'impression qu'il y a une grosse bavette qui vient de me magro. Si je me trompe pas, bon, elle ne m'attaque pas. C'est le principal. Ouh. J'ai l'impression que je suis pas le seul à chasser les chèvres. Les loups. D'accord. Vous allez lâcher mes chèvres, c'est mes chèvres. Ah non, c'est des sangliers quoi. Et des cœurs. Ben, c'est pas ce que je cherche, tu vois. Oh, il y a de l'ardoise. Ouf, je me suis un peu cassé la gueule. Avec la chatte, on va voir si on retrouve un petit peu de... des chèvres, quoi. Moi, il me faut des chèvres. Bon, perso, j'en vois pas. Hop, on ramasse l'ardoise. Et on repart à la chasse aux chèvres. Sanglier. Tu sais, c'est quand tu cherches des sangliers, il y en a pas, mais quand tu cherches des chèvres, il y en a plus. Alors, attends, je reformule ma phrase. Quand tu cherches des sangliers, il y en a pas. Quand t'en cherches pas, il y en a beaucoup. Quand tu cherches des chèvres, il y en a pas. Et quand tu cherches pas de chèvres, bah t'en avais au début du jeu, quoi. Un peu conne celle-là. Mais putain, c'est rapide une chèvre. Wesh. Elle m'a trollé quoi. On commence à faire nuit. On va vraiment à faire nuit. On va tout confectionner. Là c'est des... putain, je vais te soigner. T'as l'air d'avoir faim, toi.
Oh là, il commence à vraiment faire nuit. Oh putain, c'est quand même, ça reste magnifique quand même. L'effet qu'il y a, l'effet de lumière. Putain, me dis pas, il me faut. Ok. Donc je pense que je dois avoir mes chèvres. Je dois avoir une bête qui doit être blessée, je sais pas. Il y a du sang partout. Hop, on récupère ça. On récupère un peu l'ardoise. Hop. Et on repart à notre casse-bas. On va améliorer notre grotte directement. Donc là, je pense que je vais pas faire un épisode spécial d'amélioration de grotte, mais. Voilà, on améliore quand même la grotte avant de reprendre l'aventure. On va faire la teuf tous les soirs! Tous les soirs, rendez-vous dans la grotte de Takar pour faire la teuf, les gars! Oh yeah! Donc, on a une compétence de survie, amélioration d'arc et de gourdin, bombe à piquant jetable. C'est cool ça, c'est cool! Donc, on va voir, est-ce qu'on peut améliorer? Bah, rien. Ah, si, on peut améliorer, on peut faire des bombes à piquant. Attention, les gars, c'est hyper utile! Il nous faut du pierre du sud, du poudre de caillou du sud. Alors, franchement. D'accord, vous gagnez une barre de santé, vous pouvez en avoir jusqu'à 6 au total, ouais. Est-ce que vous accomplissez? Donc quoi là? Donc ça, je suis d'accord. En déplaçant la plupart des animaux, plus de bois, de roseaux et de poussière à chaque récolte, découverte de ressources. Ah, ça par contre, c'est vraiment utile. Et on garde le point pour après. Hop là. Ok, bon, voilà, je vais faire un petit somme pour me reposer. Jusqu'à l'aube. Pour qu'on soit qu'on repart en mission tranquillou quoi. Ah voilà. Hop. Debout tranquille. Et c'est parti, on repart à l'aventure. On va aller voir notre cher chaman. Il veut peut-être nous proposer une petite mission assez sympathique. Ou à la part s'il veut qu'on améliore aussi sa maison. Bon, je préfère qu'il va encore nous envoyer à Perpète les Oies dans ses... Salut à toi. J'en doutais pas, je savais que tu voulais un truc comme ça. Alors, il te faut quoi? Bon, bah c'est bon, on peut l'améliorer direct. Allez hop. On t'a fait ta cabane en 2 secondes. Comme Joséphine Ange Gardien. Oh yeah. Il est tout content. Ça fait plaisir de rendre heureux les gens. Hutte de Tenzei. Donc bon, je ne cautionne point... Ah, une nouvelle quête de notre chère future femme. On va la conquérir, les gars. On va faire le lover. Oh, elle nous attend au fin fond de la crotte, quand même. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Donc, ça, je peux récupérer. Ça, je peux. Ah, ok. Ok, un essaim d'abeille, on peut quand même récupérer, c'est pas mal.
On a une nouvelle arme. Assez sympa en plus. Le lendemain. Donc d'après la meuf là, elle nous dit qu'on va se faire attaquer. Pas sûr. À voir. Va-t-on se faire attaquer? Combat corps à corps. Les gourdins sont des armes rapides qui peuvent frapper plusieurs cibles d'un coup. Je sais bien. Les sagas sont des armes lentes et puissantes qui frappent et maintenant pour lâcher une attaque puissante. Ouais. Alors c'est vachement utile. D'accord. Bon, je lance une cinématique avant même que je puisse tester. My marchasar, Winjama, Ulaiqua. Oh, il y a une tête horrible, mec. Je crois que lui, ça va être le gros méchant là. Ouais, bah je vais essayer de vous aider les gars. Je suis pas sûr. Ils ont tué mon pote. Oh, il est défoncé la gueule. Ouais, alors je regarde un peu les uns. Ouais. C'est pas ce que je voulais faire. Alors je vais prendre mon arc comme d'habitude, je galère un peu. Hop. Oh. Ouais c'est bon. Je récupère mes flèches. Hop, on récupère un peu nos flèches. Allez 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 hop. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Hop. Ouf. Va vite. Va vite. On va y aller, vite, vite, vite. Les attaques un peu de tous les côtés en fait. Donc là on protège notre base et je pense que ça peut être la première attaque. Hop là. Petit coup de gourdin. Hop. Pouf, pouf, et pouf. Et toi, 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 viens là, là. Ouh, coup dans le pif. Touche pas à mon chien. D'accord. Que vra. Hop. Putain, j'entends mes hommes mourir. Non, je ne peux pas les laisser mourir. Putain, direct qu'ils sont au bout de leur vie. Ah, ça l'empoisonneur. Ils sont chiants avec leur bon en fait, ça empoisonne. Et je savais même pas qu'il y avait les empoisonnements, j'ai complètement oublié que c'était une... Un truc assez gênant dans le jeu. Surtout avec les cobras là qui te mordent comme ça d'un coup. Ah ça fait flipper sa mère, je déteste les... ces bêtes là. Ouais, on va se venger, nous. On est des hommes. Allez, c'est parti, viens, Wolfie. Wolfie, yes, let's go. Tiens, en parlant de Wolfie, ça me fait penser à un jeu que j'ai joué il y a au moins 4 mois. Il s'agit de Wolfie. Ça s'appelle Wolfie, W-O-L-F-E. Un jeu que je vous conseille, c'est un jeu qui a été fait par les créateurs d'Alice, d'un jeu qui s'appelle Alice. Qui est un jeu un peu what the fuck. C'est pas vraiment Alice au Pays des Merveilles, c'est Alice... au pays des monstruosités. Et franchement c'est un jeu de ouf. Et ils ont fait une version qui s'appelle Wolfie. Attention au serpent. C'était quand je parle, je fais pas attention au serpent forcément. Et du coup je disais donc Wolfie qui reprend donc du coup pas le compte d'Alice, il reprend le compte du petit chapeau rouge. Même si l'histoire se finit assez rapidement. Voilà, je le conseille.
Très bon titre. Alors c'est par où? C'est par où? C'est par où? Franchement, si c'est pour faire de la marche à pied, c'est par ici. Et... ah ça y est, on va récupérer des habitants pour remplacer les morts. C'est parti. On va avancer assez rapidement. Donc du coup un jeu qui reprend l'histoire du petit chapeau rouge, s'appelle Woodfield, vous pouvez le trouver pour pas cher. L'histoire est assez rapide, la fin un peu décevante, mais il y a bien sûr un to be continue. Et j'attends, bah, je l'espère, le deuxième volet qui va sûrement sortir cette année ou l'année prochaine. Donc j'attends avec impatience. Et c'est un jeu que je vous recommande pour passer le temps, même Alice, même le jeu Alice, je vous le conseille. Donc ça a été fait par le studio Grim. Grim, un petit studio qui fait des jeux assez sympathiques. Voilà, mon petit message de pub. Non sponsorisé, bien sûr. Oh, bon, là, je les ai ratés. Il a prévenir son village. Ça, par contre, ça va pas me plaire. Ouais. Bon, on va ramasser du bois. Non, c'est pour les... Ouais, si, les blessés. J'allais dire, est-ce que ça les blesse autant que les animaux? Au final, ouais, ça les blesse, quoi. Ah, putain. Je l'ai blessé. Discrétion. Ok. Ah. Intéressant. Est-ce que je peux enflammer? Yes. Ah c'est sympa ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah bah du coup je peux faire carrément tout en mode fufu quoi. Je vais faire quasiment tout en mode fufu. Il y a même une sorte de grappin. Je sais pas quand on le débloque ce putain de grappin. Ça peut vraiment être aidant. Ah du coup ça le brûle pas. Détournez l'attention des ennemis en jetant des cailloux. Ok, bon, on va y aller discretos. Confectionner, ok. Ouh, on reprend notre gourdin. Oh, je sens mal là. Allez hop, on se soigne vite fait. Mange une petite bout de viande. Bon, moi j'attaque le village en mode. Rien à foutre. On va détruire leur totem de merde. T'es mort. On va se venger. Ils ont voulu détruire nos villages. On va détruire leur village. Ça c'est fait. Et là on monte. Oh putain, ils attaquent par derrière. Ils ont appelé des renforts. Moi aussi j'ai des renforts. Il manque plus que celui-là et c'est bon. Oui. Non. Je soigne ma bête. Ah putain, j'ai cru que là c'était mon dernier mort. Ah, il faut libérer le virage, ok. Donc tuer les Uldam. Voilà, je crois que l'IA a bugué complètement. Et voilà, l'assaut des Uldam terminé. On a vengé notre village et on a vengé Wolfie qui s'est fait tuer une fois encore. Oh le massacre qu'on a fait. Shaja, Palhu Udamari, Winja Baltasha,
Gualpamas. Shaus Uz Dawson. Sana Kwaida Shanchi Parishai. Salwa Winja Marwa. Machi. Sami Gardichi Napa. Winjai. 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 Eh, Winja. Bon, je crois qu'on a fini une partie, un chapitre déjà. C'est pas mal. Et Winja a disparu. Appuyez sur 4 pour trouver des Winja aux compétences uniques qui ont été aperçus pour la dernière fois dans les régions marquées. Ok, parcourez Rose à la recherche de ses habits ninja et ramenez-les dans votre village et donc créez leur cabane personnalisée, tranquillou. Donc d'accord, donc on a Karoche le guerrier, on a Woga le fabricant et Jama la chasseresse. D'accord. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va faire le bûcher de Valpierre, que par la suite on va faire aider les Winja à la mise en mort. Et ouais, on va faire ça déjà, tout d'abord. On va vérifier que notre équipement soit bon. Donc, franchement, je pense que j'ai de quoi faire. Au niveau des compétences, j'ai de nouvelles choses à débloquer. Alors, qu'est-ce que je peux improviser? Des félins, soins improvisables, léopard, jaguar, noir, lion des cavernes et lion noir, d'accord. Je peux larguer des vos bombes à piquant, bombes berserker et bombes à feu. Ça, c'est sympa. Vous tenez une attaque en piqué avec tuer la plupart des ennemis morneaux, peut libérer les animaux en cage. Là, ça peut être sympa. Bon, on va prendre le guépard. Qui a l'air franchement intéressant. Ça aussi, c'est bien plus intéressant au niveau de la vie. Il en faut toujours. Donc, cache des récompenses. Est-ce que j'ai de quoi prendre? Ouais, bon, j'ai pas grand chose à prendre. Du coup, voilà. Il me faut beaucoup de choses, quoi. Là, il me faut pot de blaireau, une population plus élevée, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, comme je l'avais cité, mais quoique, il y a notre cher chaman qui veut nous donner une quête. On va faire quand même la quête du chaman avant de partir chercher les autres. On va aider notre cher chaman. Et dès qu'on aura 42 populations, on reviendra améliorer tout le reste. Ah, war petit. Ugwan. Tishayu. Gasuri. Aalia Pacha. Magui Udambi Upafi. Udam Fakwe ha alia pashta. Udam Fakwe ha alia pashta. Oh, une vision! Ouais, c'est ce qu'on demandait depuis tout à l'heure. Ah, les visions, c'est tellement flippant dans ces jeux-là. Far Cry, surtout, derrière faire des choses. Wow, vision de glace. Ouh, ça a l'air prometteur. Chalti Udam Marsh. My Klappa. My Klappa. My Klappa. My Klappa. My Klappa. My. Bon, les visions, c'est assez difficile au début à comprendre, mais tout simplement. Oh là, on se retrouve avec un gourdin dans le champ quand on va avoir des trucs à buter. Trouver la statue de femme de pierre. Ouais, femme de pierre, d'accord. Ah bah je pense que là il y a... Ah bah d'accord, un coup de gourdin. Je suis Dieu les gars. Je ne pardonne personne. Vous nous avez épargné, non. Wow.
Putain, j'adore. Quand t'as des super pouvoirs comme ça. Bon, c'est que dans des missions, bien sûr. Oh, c'est tellement trippant. Il veut pas mourir, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Ah ouais. Ce que j'allais dire dans le jeu, est-ce qu'il va avoir des mecs avec des, ça, des putains d'armures et tout ça? Et au final, oui, oui, il va en avoir. Ah, faut avancer. Franchement, on peut pas dire que ce jeu est magnifiquement réalisé. Bon, c'est sûr qu'en vidéo, on voit pas forcément ce que je vois graphiquement et tout ça. Mais c'est de la balle, les gars. C'est de la balle. Faut avouer que Ubisoft, t'as toujours une bonne putain d'imagination. Bon, même là, si c'est des visions, ouais, c'est, faut vraiment avoir. Ouf. D'accord. Ouais, y a vraiment un challenge pour cette vision là. Yay! Wouh! Ah là là, je kiffe ce genre de. La femme en pierre. Tu ne me résisteras point. Ah, aïe 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 aïe. Et je t'ai. Non, je m'en manque un. Voilà. Putain. J'ai l'impression de faire du baseball. Et strike. Et strike. Boum. Voilà. Appuyez sur Alt pour balancer. D'accord. Ah, pour balancer carrément le gourdin. Ça va être chaud là. Ils sont pas très commodes ces enculés. Oh putain. Oh putain. Oh putain là, ça devient chaud. Ça devient chaud de tonight. Bon, les FPS là, ils jouent quand même pas mal là. Je vais pas vous mentir, mais. Voilà. Bon, les FPS sont. Bon, vous verrez ça, sur la vidéo, franchement, les FPS ont pris cher. La femme de pierre ne peut pas aller plus loin. Maintenez LT et RT pour détruire avec votre arme de gelée. Au revoir, femme de pierre. Vision assez sympathique. On a fini cette vision, donc je sais pas ce qu'on a débloqué. Vous pensez qu'on a débloqué le gourdin? Wifta. Parle, Bafetal. Parle, parle ou Udam Bakni. Shunta Daba Dabu. Galaita, Udam Bacan. Shrash, Shrash, Yagisu Sarda, Swarga, Marmani. Makwadi, Udam Shasquanisla. Udam, Masup near Bacan. Udam, Blahagwar Padi.
Ouais, chelou un petit peu le prêtre. Et on finit cette vidéo sur cette dernière vision. Alors, je crois qu'on n'a pas vraiment débloqué quelque chose. Donc là, le fort du Grand Dawa empêche-vous de ce fort lourdement gardé enfanter le commandant. Donc là, on peut déjà foncer directement et se le faire. Ou choisir une autre technique. Bon, je n'ai pas envie de choisir directement quoi faire. Et donc là, on peut débloquer quelques petits trucs. D'accord, donc ça, c'est assez sympathique. Ok, ok. Donc on en reste toujours une population de 19. Donc dites-vous qu'à partir de 40, n'oubliez pas, on améliore encore notre grotte et ainsi que celle de nos compatriotes. Et on se retrouve rapidement pour le 5e épisode. On se retrouve tout de suite. We'll be right back.